Salut à tous, c'est René 1345, on se retrouve aujourd'hui sur le cinquième épisode sur le Seigneur des Anneaux, le tirage. Alors je suis allé vérifier, ce jeu a quand même une note hyper basse sur jeuxvideo.com, c'est génial. On va rouler 13, ouais. Non, elle est géniale ce jeu. Bon. Après, je peux comprendre que des gens ça les fasse chier de jouer à un RPG comme ça. Mais bon, moi je kiffe. Donc, du coup, un petit point rouge là. Il fait encore me faire agresser. Ah non, juste trouvé. Oh oui, épique. Je commence à voir qui saute. Hein. Bon, très bien. Les hordes de la Moria. Ils ne le savent pas, mais ces maudits orques sont piégés entre ces murs. Ils se cachent du soleil, mais ils craignent encore plus leur nouveau maître. Ils le réveillent quand le besoin s'en fait sentir. Ah, ils le réveillent. Mais sont toujours victimes de sa terrible colère. Donc du coup, ils l'ont réveillé parce que 9 mecs étaient dans une salle. Enfin, 9 plus 4, puisqu'on est 4 de plus. On est quand même vachement moins bêté que la communauté de l'anneau. Alors nous, il nous faut plusieurs tours pour buter une armada d'ennemis. Vas-y, passe. Non, y'a rien. Ok. Bon voilà, on était en zone de cadavres, maintenant on va plus y en avoir. Ah oui, cette zone. Ah oui, ça y est, encore de l'épicness. Vous avez trouvé notre campement. C'est une bonne nouvelle. Vous avez également trouvé Boromir. Ah ouais. Car il voyage avec nous depuis Foncombe. Je l'ai pas trop vu quand même. Vous êtes-vous demandé, Beretor, pourquoi vous le recherchiez si ardemment? Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort. Et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Oh, ce dialogue a été coupé. Ce monologue a été coupé. Merde, c'est le meilleur du monde, c'est. Dis, pouvez-vous leur rendre? Très bien. Bon, alors en théorie, les mecs, ils ont pris le chemin qui descendait en disant oui, alors l'air est moins nauséabond en bas. Mais là, ouais, le chemin qui descend, c'est celui-là. Bah, on va faire les autres, hein. on va pas être con. Même s'il me semble qu'ils aient pris ce chemin-là. Sachant que le pire, c'était celui-là, puisque c'était là par là que remontaient les lumières rouges des orques. Enfin bon. Quoi, je maîtrise la caméra PS2. Du coup, passons par là. Une rune de plus. 4 runes sur 7. Encore plus de runes. Attention, on a des ennemis scriptés hein, sur le côté pour récupérer le coffre. Oh, de la bière des nains. Oh, putain, dans un bon état. Est-ce qu'ils vont le script? Il y a peut-être quelque chose par là. Oh putain. Oh, ils sont 3 cette fois, mon dieu. Baisse un peu le son, hein. Allez, très bien. Ouais, bah, fléau des créatures, ça marche très bien. Et toi, ça fait longtemps que j'ai pas tapé un peu de furie des flammes. C'est puissant quand même. Très bien, allez, on continue à taper à coup de dard de l'arc. Attention, ah oui, tu l'esquives. Mais attention, ouais, non, ah, l'esquive qui ne passe pas. D'ailleurs, Adot, il bouffe. Oh, le pauvre.
pendant que lui se fait plaisir en attaquant 2000 fois d'affilée. Voilà le fameux présent d'aile ronde. Ah non, 194 PV, et voilà, attention, là, il y a le coup de griffe. Moi je suis content, hein, ça lag plus maintenant. Oh là là, je suis sur... Bon, allez, vas-y, finis le. Alors, le feu va te terminer. Blam. Putain, ce vieux décès. Blam. Oh, ça mouille. Bon, on fait une petite frappe fluide. Oh, ça part tout seul. Ça fait super mal. Bon, il y a une critique, mais ça fait super mal. Ça devrait suffire une coupe des nains. Ah, regarde-moi cette coupe des nains. Parfaite. Comme je l'aime. Au bol. La coupe, le bol, c'est vrai. Une coupe, c'est comme un bol, mais en même temps, c'est la coupe. Non, ok. Oh, une veste de Dundin. Très bien. Alors, au niveau des stats, on va augmenter un peu ta constite, ta vitesse aussi. Hein. Hydrial, l'esprit, bon, elle est plutôt pété. Dextérité, ouais, faut qu'elle touche. Maintenant Barda. La veste de Dunedin. En din. La veste de Dunedin en din. En caribou. Contre la veste de Dunedin en cuir bouilli. Veste en cuir renforcé conçue pour les besoins du rôdeur. Et ça, c'est tunique de cuir pour voyager. Fabriqué en Arnor. Oh putain. Le truc, il a 90 000 ans. Voyons voir le swag. Bon, le swag est présent. Oui, je suis swag. Je le revendique. Bon, il y avait quelque chose sur moi ici. Allons là et sauvegarde. Hop. Tiens, je vais faire quelque chose d'intelligent. Je vais sauvegarder sur plusieurs parties au cas où j'aurai des problèmes de rec. Du type la mort, du fun. Le voyage. Pas pourquoi on se barrait en région pour aller tabasser des orques trop faibles. Berethor fait un caméo. Comment pouvons-nous l'ouvrir? Putain, c'est merveilleux. Il va d'abord nous falloir découvrir les secrets de la Moria. Oui. Avant que les gobelins ne nous piègent ici. Sinon, on peut suivre le même chemin que les cons. Bon, je crois bien que c'est par là qu'on doit sortir. Mais bon, pour ça, il faut toutes les ruines à la con. Pas de compte épique ? Non. L'épicness devra attendre. Du coup, je peux pas partir par ici tant que j'ai pas essayé de truc. Donc c'est bien par là qu'il faut partir. Donc du coup, on peut pas la lâcher. Oh ! Oh, ah. Maudit sois-tu, Christopher ! Classique, on les défonce. Oh putain, la note qui se fait recte. Ouais, le petit pas en arrière, c'est ça qui est beau. Ça devrait se finir avec un coup au bol des nains. Oh ouais, le bol des nains, ça marche toujours. Bon, très bien, on continue. Donc on peut leur faire un poil de flèche. Changer. Oui, double critique dans ta mouille.
ça c'est la rentabilité. Les anciens Armstrong sont une certaine rancune dans ce warg. Ok. Est-ce que le bol des nains suffira? Peut-être pas. Alors on va y aller au pouvoir de l'esprit. Il n'est pas décédé, hein. De survivre jusqu'au prochain niveau tant que sont trop de problèmes. Ah oui, le petit bond en arrière. Digne d'un rôdeur mais des fourrés. Le flèche est bien plus intéressant. Sauf si tu plantes ton tir, mais là c'est bon, elle l'a réussi. Non, je suis très content de la dextérité de celui des gosses. Il rate jamais rien. Bol des nains pour finir, c'est génial. Ce nain du swag. Le swag nain 2016. Une épée donc d'Arnar pour Monsieur Cameo. Tes points d'esprit, t'en manques un peu. Une épée longue en acier qui fait 22 dommages. Quoi, 6, génial. Oui, c'est vrai, il avait aucun respect depuis le début, puisqu'il avait un sable de Isengard. Je sais pas comment il a atterri là, mais bon. Arme très longue et puissante et rapide et bien entretenue. Ok, d'accord. La team du Far West. Bon, très bien. J'imagine que j'ai. J'ai que 4. 4 une. Bon, on va aller chercher autre part. Odeur du sprint. Bon, mais passons par celle du milieu alors. Ouais, facile. Il nous faudra 4 jours de marche pour atteindre l'autre côté. Espérons que notre passage passera inaperçu. 20 minutes de vidéo plus tard, mais ça y est, on est de l'autre côté, c'est bon. Les poteaux. Pas une zone de cadavres, on va devoir se battre. C'est vrai que les gobelins traînent près des cadavres morts depuis 10 ans. Je suis tout seul. Ça va, dis-moi si je te gêne. Bon alors qu'est-ce qui craint ce studio? Persan et où? Donc il craint la flèche. Le flot des gobelins aussi. Cette attaque est géniale. L'attaque fléau, j'adore. Franchement, je kiffe. Mais objet. C'est un peu de la merde. Voilà, voilà. Non, Udin. Doudou. Allez, le tir visé dans sa gueule.
Ouais, mais alors tu commences à toucher ou pas, Dodor? Ouais, on va le buter, on s'occupera de ce sauver. Non, non! Faut pas qu'il meure, sinon je vais être obligé de mettre Beretta. Putain! Je veux pas mettre Beretta, je l'aime pas. Tête de badass, bonne couche. Ah, bah, tu chez Idria, le V7, maintenant, s'il te plaît. Bon, merci, Adon. On a vu que l'attaque fléau était au moins aussi efficace que celle d'un Pokémon. Qui est vraiment une attaque de merde. Bon, allez. Oh putain, un compte épique. Putain, 10 000 km. J'ai raté les trucs, hein. Bien. Les orques ne connaissent que la peur et la domination. Un camion de l'épisode 3. Leur taille importe peu. N'oubliez pas cette leçon. Des orques très puissants feront obstacle à votre progression. Souhaitons que vous n'ayez pas à affronter les plus terribles d'entre eux. Ouais, comme Michel tumeur au cerveau. Ça c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, ah non, la respawn, tout va bien. Je suis pas obligé je vais faire comme s'il avait jamais été mort, hein. Voilà. Il est sous forcing. Quartier sud. Ah, mais j'ai une connerie à mettre à Dodd. Vas-y, fais-le. Boucle vif d'argent de la 3-1 de la Morea. Ferment en fer forgé dans les flammes de la Morea. Et le niveau stade, ça change rien. Ah si, 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 ça enlève de la force. Et ça donne de l'espace. Bon, on s'en fout. Nous, on est là pour les étoiles. Les stats, on s'en fout. Je vois qu'il y a un coffre de chaque côté. Et en plus, un ennemi scripté, quoi. Oh là là, quel carrefour d'importance. Bon, on a deux clodo et un autre clodo. Ça suffit. Ramasse-toi. Je m'occupe de toi avant. Oh bah. Merci les ghosts, tu es tellement utile. Mais j'avais utilisé le seul item qui ramenait tous les points d'action. Mais je viens de gagner un niveau, j'en ai plus besoin. S'en fout les ghosts. Et les ghosts, tu es inutile. Tu seras bientôt remplacé par des personnages plus intéressants. Bon. Très bien, alors prendre la constité les gosses parce qu'il va vraiment falloir t'accrocher. Alors Idrial. Force. Constite. Dextérité. Et Michel Caméo. Esprit. T'en as bien besoin. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai aucun respect pour ton cadavre. Plus c'est un gobelin, c'est même pas un nain. Ouais, je crois que c'est un gobelin. J'ai aucun respect pour ton cadavre de base. On va mettre des pics, ça c'est cool, ça te permet de réanimer tes potes. Bon, par contre, lui, je crois que c'est un nain, quoi. Ah, maudit sois-tu, Christopher, et tes screamers. Pas commencé, le mec était déjà en train de me tirer dessus. Voilà, je me suis foutu. Blablabla. Cette initiative qu'ils ont, mais arrêtez ça. Arrêtez l'initiative là-haut. Foiré. Alors, un petit pouvoir de l'esprit.
deux connards, et ensuite moi. De Falmer. Oh, l'esquive de flèche de Falmer, c'est pas où. C'est encore les bras. Il y avait une contre-attaque dans le tas. Apparemment. T'arrives à en tuer deux, je t'applaudis. Attention, j'ai lâché la manette, je suis prêt à t'applaudir les gosses. Attention. Oh oui. Bien joué les gosses. Tu niques le game comme toujours. Non, j'aime pas ça. Tout ça. Génial. Non, je t'aime pas, Adot, tu m'as raillé. Passe-moi. Bien, le présent de la ronde, ça marche bien. Puis en plus, ça permet d'apprendre des nouvelles attaques. Oh putain, Adot, tu m'as raillé, je te déteste. Franchement, les attaques d'Adod après, dans le passant futur, je me fais bourrer un peu ces attaques de hache, parce que dans mon souvenir, elles étaient plutôt swag. Nouvel arc des Legosts. Bon, au pire, si on récupère du matos, ça sera inutile. Ah oui, épique. J'ai longtemps parcouru les chemins oubliés de la Terre du Milieu et souvent étudié les trésors de son passé. Il y a plusieurs milliers d'années, les elfes se sont battus aux côtés des hommes de la Dernière Alliance afin de renverser le maléfique Sauron. Mais leur animosité envers les nains remonte encore plus loin. Personne ne parle des actes qui les divisèrent, mais une méfiance ancienne brûle encore dans le cœur des deux races. Fais d'abord les hobbits et tu comprends. Le seigneur Elrond a dit, l'anneau doit être détruit. Et je suppose que vous croyez être celui qui doit le sauver. Et l'anneau, il le faut. Oui, nul ne peut se fier à un elfe. Il a raison, absolument. Ouais, vous êtes témoin d'une chose rare, Gondorien. Une elfe et un nain réunis par la force des événements. En traversant ces terres, votre petit groupe devra faire face aux mêmes haines ancestrales. Unissez-les, car les derniers trésors de la Moria ne se révéleront qu'au prix de rudes combats. Wesh, ça va, ici. Wesh, les rapports elfenins. Tout de suite, voilà une image rapport. Prenons Saké. Merci, animateur des miniatures YouTube. T'as besoin de dextérité, franchement, tu portes tout. Niveau bardage, j'avais un arc pour... j'avais un arc pour les ghosts, un bouclier pour l'autre con, bouclier des seigneurs là. Oh, c'est swag. Bouclier des nains antiques conçu pour le combat dans les tunnels. J'ai vachement grand quand même pour un nain. Et qui d'autre? Pareil, lui. Avec l'arc long. L'arc du Néden, précis et silencieux. Arc long, arme préférée des rôdeurs du Gondor. Ah, itilien donc. C'est vachement plus long quand même. Et on voit ça. Ah, c'est un vrai arc long. On dirait un vrai bâton d'ici, mais voilà. Oh putain, encore des ennemis scriptés. Il y en a partout. Vous attaquez ta fille pas? Trop de scriptowarg. Non, pas de scriptowarg. Si, des scriptowarg. Très bien. Tentons un rafale de flèches sur ces deux persos-là. Et finissons-les avec un. Oui, le tireur blanc a pris. Même si à mon avis c'est useless. Aveugle blanc, ça fait juste baisser ce. Ouais, c'est pas très utile. Ok, il coupe des nains. Oh le bol. Oh oui, la dextérité d'Adod, j'aime.
toujours. Jamais à désirer, évidemment. Esquiver, Adam. Comment tu fais? Oh oui, c'est quoi? C'est Shinobi. Oh oui, non. Non mais arrêtez là, les gars, vous me chitez. Non mais ça suffit là, oh. De communiste. Ouais, mange ça, je préfère. C'était l'autre qu'il fallait que je touche. Putain, je me fais vraiment tabasser, quoi. Et j'ai plus rien. Même pas un perce-force, donc. Donc, du coup, fais de l'ambasse. Hein. Vas-y. Tiens, on mange ça. Comme de juste Auguste, on va les défoncer. Ouais, c'est très bien. Allez, on s'occupe du niveau d'Hydrial. On lui met un peu de force. On va assurer les ghosts. On lui fout du lambase partout. Ah, de quoi faire le prochain combat scripté. On marche sur les cadavres, tout va bien. Hop 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 hop. C'est l'air de s'être foutu sur la gueule ici. Oh là là. Petite volée de flèche. Planté dans la pierre, évidemment. Franchement, j'aimerais bien voir quelqu'un capable de planter une flèche dans la pierre. Devant nous, des crypto ennemis. Non, les scénarios. J'ai envie de faire une frappe fluide. Super mal. Oui, contre-attaque. Ah mon dieu. Putain. Cette flèche, j'ai dû faire mal quand même. Allez, si ça passe, c'est bon. Non, et franchement, t'as un problème avec cette attaque, Edon. Dis-moi si elle te plaît pas. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Vous êtes béni, mon ami, car la Dame de Lumière vous protège et vous guide. Les elfes canalisent les pouvoirs du feu, de l'air, de la terre et de l'eau, car ils sont les premiers-nés. Attention. Si vous survivez à la Moria, vous verrez probablement ce royaume, en dépit du mal que vous transportez avec vous. Depuis bien des âges, Dame Galadriel se bat contre l'ombre, et l'ombre ne l'a pas vaincue. Allez à présent et terminez votre tâche. Ils vous attendent sous les arbres. Oui. Pourquoi pas venir m'aider en lançant des volets de flèches de façon maximale.
sais pas à quoi ça te servirait, mais t'es pratiquement à 40 partout. Enfin, des stats pétés là aussi. Oh, stats qu'il a. Une pierre. Alors, à moi le. À moi la rune. Très bien. J'imagine qu'il y a quand même des trucs à explorer par là. Putain. Arrête de te faire bloquer par des flèches plantées dans la pierre depuis des milliers d'années. Ce n'est que moi. Ah, c'est génial. Là, c'est moi, allez, gérer. J'ai esquivé le tranché sauté. Juste d'abord. Au moins, juste savoir son nom. Chef de clan gobelin de la Moria. Tout va bien. Bah, chef de clan de la Moria, mange-moi cette flèche. On va voir si c'est pour ton pote. Tout ça, il va le rater, donc bon. Bien joué, Adon. N'empêche, j'aimerais bien que mon elfe soigneur de vie soit un peu plus, soit au moins aussi efficace que l'autre enfoiré. Et on se retape tellement fort, nous. Ils ont plus de vie que nous. Enfoiré. Espèce d'enfoiré! Le vieux piège. Ce serait génial si on pouvait perdre de l'argent pour ça. Genre, voilà, t'as été pillé par un gobelin. Putain, mais franchement, mais Adot, t'es inutile, je vais foutre Beretta. Putain, ça fait mal. Ça. La manger celle-là, c'est parti. Ouf. Oh putain, il rigole, il va y passer. Non, blablabla, il rigole, est morte. En plus, ma sauvegarde, elle est à 10 000 km. Non, c'est mort, je recommence pas. Ah non, je perds, j'arrête le let's play là, c'est fini. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Pas mort, enfoiré. Mec, je déconne pas, tu le rates pas là. Putain, mais. Putain ! L'espèce de noob ! Là, je vais crever en plus. Il va y passer, seconder les ghosts, si l'autre deux fois qu'il attaque, il attaque encore une fois, c'est fini. Quel vieux sac celui-là. C'est quoi? Allez, nique ta mère, dégage. Ouais, je te fais très pas. Tu fais très pas mal quand même. Putain. Ah bah oui, non mais. Je défonce tout le monde depuis le début, là il y a trois gobelins dans un mur, ils sont en train de me battre. Et arrête mec, oh. Putain, il y a encore les deux enfoirés qui ont attaqué avant quoi. Où est-ce qu'elle est ma médecine elfique? Putain, c'est génial, c'est trop vivant ce mode. Bon bah écoute, on peut rien faire, on va te tuer un par un. Hein. Tiens, mon pote à mouille. Ah oh ouais, on peut voir le pillage gobelin, c'est génial. Vraiment une attaque de merde. Oh putain. Oh
Génial. Berethor qui est apparemment très très enclin à être pillé. Voilà, vraiment des attaques de merde par contre. Non mais arrête, oh, qui t'a dit que tu pouvais attaquer deux fois d'affilée? Bon, je vais te montrer, moi aussi j'attaque deux fois d'affilée, hein. Oh, je suis là. Oh non, il a pillé les ghosts à mort. Oh, ça veut plus rien dire quoi. À présent Galadriel, à mon avis ça c'est de la vie mais un peu plus. Putain mais quel fight qui voulait rien dire quoi. À la prochaine fois tu fermes ta gueule Adon en disant ce n'est que moi. Hein non parce que c'est... heureusement qu'il n'y avait pas que toi. Ah non. Non parce que là on était rect. Bon, il y avait encore ce con de Berethor. J'oublie encore d'augmenter sa dextérité. Allez, vas-y. On ne sait même pas. Génial. Des équipements elfes dans la Moria. C'est pété. J'adore la Moria vu de la façon de ce jeu. Allez, bouffe de la telasse, allez, vas-y. Allez, vas-y, bouffe mon lambasse. Allez, bouffe mon vieux Toby, ouais. Wesh, moi je vais ouvrir ce livre, il est trop swag. Petite sauvegarde. Eh bien, allez, on continue par là. On est arrivé par ici, c'est ça. Putain, ça s'est fighté ici. Oh, le fightu. J'ai vraiment une dextérité de merde. Ouais, mais qu'avons-nous là? Une épée qui glitch. Ne devinez-vous pas au style du manche? C'est la dernière hache à avoir été forgée dans la Moria. Un peu de respect, rôdeur. Et genre, elle est restée là pendant... Pardonnez-moi, mon ami. Je ne pensais pas à mal. Ça donne plus 3 en dextérité, mais il était temps. Ah, épique. Comme vous le savez, mon ami, les nains sont de formidables combattants des tunnels. À présent, en contemplant leurs armoiries brisées, vous pourrez apercevoir des armes longtemps brandies pour défendre la Moria. Des outils et des engins de guerre, grands ou petits, ont été forgés ici. Certains ont été perdus, d'autres retrouvés récemment. Mais le plus puissant de tous y est encore caché. Le Balrog, c'était une arme. Bon, Bien joué, Galadriel. 999 PV. Bon, alors, très bien. Toi, tu vas me... Non. Mettre cette hache. Hache d'avant, elle fait combien? Oh putain! Hache large, de merde. Je vais vous frapper fort. Hache de marche, des rébords. À la fois arme et bâton de marche. Quoi? Tu viens de me dire que c'était la dernière forgée. La putain de la Moria, et là tu m'écris que c'est un rébord? Faites gaffe quand même dans vos traductions de dialogue. Non, parce que les rébords, c'est pas côté de la Moria. Oh, crit mortel! Ah, c'est que c'est rien, ce mec. Wesh. On va utiliser son deux techno.
Seigneur, c'est bon, putain. Non, mais tu pètes des gueules et les gosses, mais ça, ça me fait. C'est vrai, maintenant j'ai l'autre con. Ah, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, à rater tes coups d'épée. Ah bon, ça va. Ouais, moi je préfère un dog, mais bon. Allez, vas-y. Coup qui passe pas. Non, c'est bon, c'est passé. Ah, plus qu'une seule rune. Très bien. La chasse aux runes. Des fights et tout, mais par contre, alors la hache la plus classe du monde, elle est restée posée comme ça pendant 6000 ans. Bon, allez, je crois qu'il est temps de le quitter. Il est plus que temps. C'était Rudy 1345 sous Cassoulet Gaming. Vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner, c'est super important. La petite clochette hein, pour les vrais. Non, non, Rudy, non, tu dis n'importe quoi. Oui, oui, je dis n'importe quoi. Salut. C'était Rudy 1345, à plus.